la télévision espagnole, c'est un grand jour. Ces affiches que voilà, on les trouve un peu partout à Madrid. Et l'orchestre que vous entendez actuellement et l'orchestre que vous allez entendre pendant tout ce concours de la chanson Eurovision. Il y a ce soir 16 pays qui participent au concours, 16 chansons différentes au cours de cette immense émission de variété vue par des millions de spectateurs, tant dans les pays d'Europe que dans les pays qui sont rattachés à ce que l'on appelle le réseau de l'intervision. Voici Laurita Valenzuela, d'ailleurs qui disait le nom en même temps que moi, Laurita Valenzuela, qui est une comédienne très connue. Salida del Teatro Real de Madrid a los cientos de millones de espectadores de los países que transmiten este programa, este gran premio, 14º gran premio de la canción de Eurovisión. Télévision Espagnole a le plaisir de saluer du Théâtre Royal de Madrid à tous les spectateurs qui assistent à cette transmission du 14e Grand Prix de la chanson d'Eurovision. Spanish Television has great pleasure in greeting you from the Royal Theatre in Madrid. Well, welcome all viewers who are now looking in on the 14th Eurovision Song Contest. Laura Valenzuela les acaba de saludar en los idiomas español y en los oficiales de la Unión Europea de Radiodifusión, de la UER, que son el inglés y el francés. Y ahora Laura, por cortesía, da las buenas noches en varios idiomas. Good afternoon, dobar večer, días muera Eve, bien abon, buenas noches. Saludamos asimismo a los países de la red Intervisión que transmiten este programa. Nous saluons aussi les pays faisant partie du réseau d'Intervisión qui transmettent ce programme. Also, we are very pleased to send air greetings to the countries of the Intervisión network that are transmitting this program. Dobre večer. Dobrý večer, buona seara, yo echtet. Al finalizar el programa, este programa que Televisión Española transmite en color y que se está contemplando también vía satélite en Chile, Puerto Rico y Brasil, una de las 16 canciones correspondientes a los países que figuran en el marcador habrá obtenido mayor número de votos. Vaya por anticipado nuestra felicitación a la canción vencedora. El orden de aparición de estas 16 canciones se ha decidido por sorteo. Y con arreglo a este sorteo, vamos ya a escuchar la primera canción. El primer país, Yugoslavia. La canción se titula Podra Svietu. Augusto Algueró, director de la gran orquesta, cederá la batuta al profesor Milenko Proaska. Cantan Iván y los M. Ya tenemos, pues, señoras y señores, la primera canción, Yugoslavia. Pozdrav Svijetu. En español sería Saludo al mundo entero. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, buenos días, buenos días, za svu braću, za sve sestre širom svijeta, dobar dan, iz svih grla, iz svih srca, nek odjekne vas jonom, jednoglasnim unisonom. Bonjour, 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 bonjour,
good morning. Za dječake sviju zastava i boja. Bonjour. Nek u horu svi zabruje, nek se ori, nek se čuje ovaj poklik unisono. Buongiorno, buongiorno, oh, zdravstvujte, ovaj pozdrav neka prihvate milioni. Buongiorno, nek svi ljudi sad u kolu pruže ruke prijateljstva. Taj pozdrav, pozdrav svijeta. Dobar dan. Dobar dan. Hive, hive. Et voici maintenant la deuxième chanson. La deuxième chanson, c'est une chanson qui représente le Luxembourg. Et son interprète, c'est Romuald. Il chante une chanson, Catherine, d'André Pascal, Paul Mauria et André Bory. Catherine, Catherine, nous avions 10 ans. Souvenez-vous, Catherine, au jardin d'enfants. Je vous offrais mes tartines et mes chocolats. Avec mon cœur, Catherine, amoureux déjà. Et quand la nuit j'avais dans le cœur bien des rires, Catherine, triste comme des pleurs. Où êtes-vous, elle, prince charmant? L'avez-vous découvert enfin? Il y a toujours nos cœurs et notre nom. Catherine, au jardin d'enfants. Catherine, Catherine, nous avions 10 ans. Catherine, Catherine, je rêve souvent de vendre Catherine au jardin d'enfants. Catherine, Catherine, malgré le temps, je vous attends, Catherine, comme avant, au jardin d'enfants, Catherine.
Romuald chantait Catherine pour le Luxembourg. Et nous arrivons maintenant à la troisième chanson de ce festival. La troisième chanson, c'est la chanson de l'Espagne. L'Espagne qui a gagné l'année dernière, bien sûr. Cette chanson s'appelle Vivo Cantando, je vis en chantant. Je vis en chantant quand tu es là, bien sûr, car c'est une chanson sentimentale. Et l'interprète sera Salomé. Salomé est certainement la chanteuse espagnole qui a remporté le plus grand nombre de prix dans tous les festivals de chansons. Cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardar. C'est donc Salomé pour l'Espagne. Salomé, donc, il faut préciser qu'elle est une ancienne danseuse des ballets du Marquis de Prévert. Nous allons maintenant entendre la chanson qui représente Monaco en quatrième position. C'est une chanson de Jo Perrier, interprétée par Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, vous allez le découvrir avec curiosité. C'est, je crois, pour la première fois à l'Eurovision, un jeune garçon. Oui, Jean-Jacques est né à Toulon. En 1957, il a donc 12 ans, et Jean-Jacques va interpréter cette chanson qui s'appelle « Maman, maman ». On nous dit que c'est un élève très sage du Collège moderne de Toulon. Je fais un rêve merveilleux. Maman, maman, et que j'étais venu grand. Je marchais au pas, casque, fusil et sac au dos. Dans la lumière de matin, le soleil brille tout là-haut. Il me suivait comme un copain. Un grand
je vois paraître la vraie vie des grands. J'ai le temps, j'ai le temps. Maman, maman, je fais un rêve malheureux. Maman, maman, je voyais les cheveux blancs. Je veux oublier le soleil. Seguimos con Irlanda. El título de la canción es The Wages of Love. Autor de la letra y la música es Michael Reedy. Dirige la orquesta Noel Collihan. Canta Mural Day. Before you leap right into love, my friend, it cannot be bought so very cheap, my friend. You will have to bear the cost. Just wait and see. Oh yeah, there are many rainbows on the way. They are maybe bright or maybe gray. So when you fall in love, the wages of love, the wages of love, the wages of love. Just take my advice. Don't be a fool, my friend. When you fall in love, you go to school, my friend. Lessons must get learned, makers must get burned before you really understand it. Love is very nice if you pay the price. There will be bridges to be crossed, and there'll be teardrops to be lost. Ah, you will have to pay the cost. Just wait and see. Oh yeah, there are many rainbows on the way. Days are maybe bright or maybe gray. So when you fall in love, hey, the wages of love, the wages of love, the wages of love. Vamos a escuchar a continuación la canción italiana. Sus autores, Dayano y Piero Soffici. Se titula Due grosse lacrime bianche. Dirige la orquesta Ezio Leoni. Intérprete
Iva Zanicki. Il nostro cuore, dicevi sempre, non è una stanza che si affitta. Noi ci lasciamo, la stanza è vuota, la porta aperta resterà. Due grosse lacrime bianche, come due perle del mare, è tutto quello che a me rimane di te. D'amore no, non si muore, per non sentir la tua voce, la testa sotto il cuscino io nasconderò. Ho visto chiaro in mezzo al buio. Solo d'amore no, non si muore, ridendo me l'hai detto. Continuación Inglaterra, representada por la canción Boom Bang Bang, original de Peter Warne y Alan Morehouse. Dirige la orquesta Johnny Warris. Intérprete Lulu. Bang a bang.
Vamos a escuchar la canción de los Países Bajos. Se titula The Troubadour. Sus autores, David Hatzema y Lenny Kuhr. Director de orquesta, Franz de Kock. Intérprete, Lenny Kuhr. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij een stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het nachtelijk keukenvuur de troubadour, de troubadour. En in de zong hij een drinklied op het mat, voor wie nog staan kon en wie zat, de troubadour, de troubadour. La 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 la. De troubadour. Toen werd het stil, het lied was uit. Enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek. De troubadour. Oh, la 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 la. La participación sueca de la que son autores Britt Lindeborg y Roger Wallis se titula Judy Min Ven. Dirige la orquesta Lars Samuelsson. Intérprete Tommy Körberg. Varför Judy min vän, börjar du inse nu att vi båda, jag och du, kanske aldrig kan bli lyckliga tillsammans. Judy min vän, Judy min vän, du älskar saker, villa, tv och bil. Din väg är kantad av lyx och prylar, det är inte min stil. Våra mönster går isär, låt mig säga det så här. Jag kan aldrig bli den man som du behöver, Judy min vän. Du
gudarna ja, låt mig förklara att lever för stunden en drömmare bara. Detta är min filosofi, jag vill genkänna, jag är fri. Judy, min vän, din dröm om pengar tycks mig lite av drag. Min dröm är drömmen av gröna ängar, vindens lek och en sång. Kanske jag ändrar mig, då hörs jag. Då ska jag presentera mig som din Mr. Medel Svensson. Judy, min vän, när går vår kosmik, kanske ses vi igen. Då får vi se vad livet har gjort med oss, Judy, min vän. Gudarna, ja, låt mig förklara att lever för stunden en drömmare bara. Detta är min filosofi, jag vill genkänna, jag är fri. Judy, min vän, här går vårt kosmik, kanske ses vi igen. Då får vi se vad livet har gjort med oss, Judy, min vän. Judy, min vän. Bélgica ha enviado la canción Jennifer Jennings. La letra es original de Phil van Covenberg y la música de Paul Quentin. Dirige la orquesta Francis B. Intérprete Luis Neffs. Stad lag stil te dromen in de zon, van zee te dromen in de zon rondom mij. Waar ik ging, langs heen de zomen van het gazon, stonden de bomen in de zon, er zalig bij. En toen kwam jij, Jennifer Jennings, en danste lief als de lente voorbij. Jij kwam, Jennifer Jennings, en blauwe ogen die lachten naar mij, naar mij, alleen naar mij. Genomen door de stad, langs heen de dromen die je had, zacht als zij. En sindsdien keren mijn dromen telkens weer naar al die dromen van weleer, van jou en mij. En dan kom jij, Jennifer Jennings, en blauwe ogen die lachen naar mij. Maar jij, Jennifer Jennings, je lachen telkens en telkens voorbij, voorbij, altijd voorbij.
Eh bien, c'était pour la Belgique, Jennifer Tchernia. Vous avez deviné qu'il s'agissait de la canción Bonjour, bonjour. Autores Jack Stark y Henry Meyer. Dirige la orquesta Henry Meyer. Intérprete Paola. Bonjour, bonjour, interprété par Paola. An deiner Hand durch die Stadt gehen, das wünsch ich mir nur. Bonjour, bonjour. Der Himmel lacht wie mein Herz, wenn du lieb zu mir bist. Es blühen Blumen, wo sonst nur der Straßenstaub ist. Ein Vogel singt für uns beide in Moll und in Dur. Bonjour, bonjour. Ich erlebe mit dir, das ist alles Glamour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, sagen alle, die dich und mich sehen. Bonjour, bonjour, schlägt die Uhr für uns bleibt sie stehen. Gleich zieht ein Denkmal, denn gut, darauf warte ich nur. Bonjour, bonjour. C'était la Suisse. Et voici maintenant en 12e position la chanson norvégienne interprétée par Kirsti Sparbø, qui est une demoiselle habillée dans un grand pyjama de plage bleu marine. Et la chanson en norvégien bien sûr, Oi, 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 saglad, gedsplad, bli, veut dire, dit-on, aïe, 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 que je serai heureuse. Et le thème est curieux car cette chanson signifie que cette jeune fille sera heureuse le jour où elle sera toute seule, où elle n'aura plus de bonne amie autour d'elle et où elle sera la seule invitée sans concurrente. Den käckeste Karl, la 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 la, den saken är klar, la 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 la, men han har för stor appetit, la 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 la, på min invit, la la la, han flyr ut med Eva, Lise och Anne, och bunkrar sig till som
C'était donc la Norvège. Et voici maintenant la chanson allemande. Elle s'appelle Prima Ballerina et elle est interprétée par Siv Malkvist, qui est une jeune fille d'origine suédoise. En effet, il est très fréquent en Allemagne que des vedettes de la chanson soient suédoises ou danoises. Elle est, en tout cas, Siv Malkvist est extrêmement connue en Allemagne. C'est même sans doute la chanteuse numéro 1 actuellement. Et elle chante Prima Ballerina, c'est-à-dire première danseuse, petite figure de porcelaine. En dansant, tu trouves le bonheur. Prima ballerina, prima ballerina, kleine Porzellanfigur, warum bist du allein? Prima ballerina, kannst doch deiner spielen und musst immer einsam sein. Prima ballerina, prima ballerina, deine Welt ist die Musik. Prima ballerina, geh dich zu dem Glockenspiel und tanz dann in dein Glück. Du bist schön, in deinem weißen Kleid, du musst dich drehen. Aber nie zu zweit, da weint dein Herz, wenn die Nachtigall ihr Lied von ihrem Liebsten singt. Prima ballerina, prima ballerina, die noch nie hast du gelacht. Prima ballerina, wer hat dich verzaubert und dir's Mädchen lang gemacht? Du bist schön. Ballerina, qui était la chanson allemande. Et nous arrivons maintenant à la 14e chanson de ce festival sur 16, c'est-à-dire que nous sommes presque à la fin. C'est l'antépénultième, c'est la chanson française. Vous allez retrouver dans un instant Franck Pourcel au pupitre chef d'orchestre et Frida Bocara va chanter Un jour un enfant d'Eddie Marnet et d'Émile Stern, une chanson émouvante. Frida Bocara a une belle voix et les spécialistes disent que ce soir nous avons toutes nos chances. En dessinant
blanche d'une étoile, il trouvera l'enfant et le chemin des grands. Des grands qui ont gardé un regard. Un jour un enfant, la chanson française. Bon accueil du public. Et maintenant, les deux dernières chansons. L'avant-dernière, c'est la chanson portugaise. Terre guitare. Mon bel amour, mon tendre amour. Terre guitare, voix de raisin. C'est une chanson très poétique et lyrique, consacrée au Portugal, bien sûr. Chantée par Simone de Oliveira. Grande femme majestueuse, habillée d'une longue robe verte et accompagnée de deux jeunes filles, vêtues, elles, de robes pourpres. Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é meu rei, milho vermelho, gravo de carne, vago de amor, filho de um rei, sendo bem. Volta a nascer quando há calor, minha palavra de dar um sol descendo. Tocando a serra, ó minha mágoa e minha sede, ó mar ao sul da minha terra, é pioneiro, é Alentejo, o meu país neste momento. O sol queira, o vento beija, se era louca em movimento. Minha palavra de tal do sol nascendo, meu madrigal, minha nada, amor, 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 crescendo em cada esquina. Simone de Oliveira qui vient d'interpréter la chanson portugaise, chanson très lyrique. Et maintenant, la dernière chanson de ce concours, la chanson finlandaise. Le thème de cette chanson, eh bien, tout comme avant, tout va bien, comme avant. Elle est interprétée par Jarkko et Laura, qui sont un garçon et une fille. Vêtus tous deux d'une tunique et d'un pantalon de velours rouge,
le garçon porte lui en plus un canotier et une canne. Se termine l'audition des 16 chansons de ce concours Eurovision 1969. Maintenant, nous allons voir revenir notre charmante hôtesse espagnole, Laurita Valenzuela. Merci. Alors, Laurita Valenzuela nous explique que, comme chaque année, dans chacun des 16 pays, un jury national a été constitué, que chaque jury est composé de 10 personnes et que chaque membre du jury a une voix pour le vote et que, bien sûr, aucun jury ne peut voter pour sa propre chanson. Dans quelques instants, nous allons entendre les votes de chacun des pays. Et je pense que déjà les auditeurs de France Inter, les téléspectateurs de la deuxième chaîne sont déjà en train de faire des pronostics. Pendant quelques instants, cependant que nous attendons le résultat des votes pour que chacun se concerte, nous allons voir ce petit film, l'Espagne différente, avec des images de l'air, du feu, de la terre, de l'eau de l'Espagne, sur un arrangement musical de Luis de Pablo.
Ha llegado ya el momento realmente emocionante. Eh bien, après ces quelques minutes d'image en musique, nous arrivons au moment important de l'entreprise, le moment où chaque jury va donner ses voix. Bien entendu, les jurys vont donner leur vote dans l'ordre où les chansons ont été chantées, c'est-à-dire que c'est d'abord le jury yougoslave qui nous parlera, tout cet ordre ayant été défini il y a plusieurs semaines par un tirage au sort organisé par l'Union européenne de radiodiffusion, dont les membres sont ici, d'ailleurs, enfin dont plusieurs membres sont ici, l'Union européenne de radiodiffusion, les voici d'ailleurs ces éminents spécialistes. L'Union européenne de radiodiffusion groupe, vous le savez, dans son association, tous les grands pays, de toutes les grandes télévisions et radiodiffusions d'Europe. Good evening, Madrid. Good evening. The results of the Yugoslav jury. Et voici le jury yougoslave, Zagreb. Luxembourg, one vote. Luxembourg, one vote. Alors, la Yougoslavie, une voix au Luxembourg. Spain, one vote. Spain, one vote. Un à l'Espagne. A vote. Italy, one vote. Italy, one vote. L'Italie, a vote. United Kingdom, two votes. United Kingdom, two votes. Royaume-Uni, deux votes. Switzerland, two votes. Switzerland, two votes. Netherlands, la Suisse, four votes, deux votes. Un moment, s'il vous plaît. Two votes. Two votes. Donc la Suisse, deux votes. Germany, three votes. Germany, three votes. Allemagne, trois votes. And that completes the voting of the Yugoslav jury. Good night. Good night. Thank you very much, Yugoslavia. Voilà. Hello. Hello, Luxembourg. Est-ce que vous m'écoutez? Bonsoir, Madrid. Bonsoir. Ici Luxembourg, voici les résultats du jury luxembourgeois. Merci bien, Luxembourg. Espagne, deux votes. Espagne, deux votes. Spain, two votes. Royaume-Uni, quatre votes. Royaume-Uni, quatre votes. United Kingdom, four votes. Pays-Bas, deux votes. Pays-Bas, deux votes. Netherlands, two votes. France, un vote. France, un vote. Un vote, oui. France, one vote. Finlande, un vote. Finlande, un vote. Finland, one vote. Et ceci termine le vote du jury luxembourgeois. Merci bien, Luxembourg. Bonsoir. C'est donc pour l'instant la Grande-Bretagne qui est en tête, mais bien sûr les Hello, Spain. Sont loin. Hello, Teatro Real. Bonsoir. This is the secret of the Spanish jury in Madrid, and here is the voting. Thank you very much. Yugoslavia, one vote. Yugoslavia, one vote. Monaco. Pardon, la Yougoslavie. A vote. Monaco, two votes. Monaco, two votes. Monaco, deux votes. Belgium, two votes. Belgium, two votes. La Belgique, deux votes. Germany, two votes. Germany, two votes. L'Allemagne, deux votes. Portugal, two votes. Portugal, two votes. Le Portugal, deux votes. Finland, one vote. Finland, one vote. Finland, a vote. And that completes the voting of the Spanish jury. Thank you. Bonsoir, Stan. Good evening.
I'm sorry, the regret may be for demander encore la vote espagnole, parce que nous n'avons que 8 votes. Ah, pardon. Donc, Espagne, s'il vous plaît, vous n'avez donné que 9 ou 8 votes, pardon, Mr. Brown. 8 votes, est-ce que 8 votes seulement. Il faut faire 10 votes. Donc, si vous voulez, nous recommençons de nouveau. Espagne, s'il vous plaît. Allô, Espagne. D'accord, d'accord. Hein, d'accord? D'accord. Bien. Recommencez du début. Yugoslavia, 1 vote. Yugoslavia, 1 vote. Yugoslavie, 1 vote. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Belgium, 2 votes. Belgium, 2 votes. La Belgique, 2 votes. Germany, 2 votes. Germany, 2 votes. L'Allemagne, 2 votes. Portugal, 2 votes. Portugal, 2 votes. Le Portugal, 2 votes. Finland, 1 vote. Finland, 1 vote. Finland, 1 vote. And that completes the voting of the Spanish jury. Thank you. Thank you. Thank you very much, Spain. Monaco. Allô, Monaco. Allô, Madrid. Bonsoir. Bonsoir. Ici Monaco. Est-ce que vous pouvez me donner la votation, s'il vous plaît? Oui, voici le résultat de vote du jury monégasque. Merci. Luxembourg, 3 votes. Luxembourg, 3 votes. Luxembourg, 3 votes. Espagne, 3 votes. Espagne, 3 votes. Spain, 3 votes. Italie, 1 vote. Italie, 1 vote. Italy, 1 vote. Pays-Bas, 1 vote. Pardon? Pays-Bas, Netherlands, 1 vote. Netherlands, 1 vote. Pays-Bas, 1 vote. France, 2 votes. France, 2 votes. France, 2 votes. Ceci termine le vote du jury monégasque. Bonsoir Madrid. Bonsoir Monaco. Merci. Ireland. Hello. Non, je regrette, mais malheureusement, on a encore un malentendu ici. Est-ce que je pourrais demander à répéter encore le vote de oui, monégasque? Oui, Monaco. D'accord. Merci. Donc, s'il vous plaît, allô Monaco, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous êtes si aimable de répéter la votation, s'il vous plaît. Oui, voici. Pardon. Luxembourg, 3 votes. Luxembourg, 3 votes. Luxembourg, 3 votes. Espagne, 3 votes. Espagne, 3 votes. Spain, 3 votes. Italie, 1 vote. Italie, 1 vote. Italy, 1 vote. Pays-Bas, 1 vote. Pays-Bas, 1 vote. Netherlands, 1 vote. France, 2 votes. France, 2 votes. France, 2 votes. Voici la fin du vote du jury monégasque. Merci. Merci bien, bonsoir. Par conséquent, après ces quatrièmes résultats, nous en Est-ce que je peux passer au pays suivant ? À deux ex aequo, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Hello, Ireland. Dublin calling. May I have your votes, please? Here are the results of the Irish jury. Thank you. Spain, 1 vote. Spain, 1 vote. L'Espagne, 1 vote. Italy, 1 vote. Italy, 1 vote. L'Italie, 1 vote. Switzerland, 3 votes. Switzerland, 3 votes. La Suisse, 3 votes. France, 4 votes. France, 4 votes. La France, 4 votes. And Finland, 1 vote. Finland, 1 vote. Finland, 1 vote. And that completes the voting of the Irish jury. Thank you. Thank you very much, Ireland. Good evening. Good night. Donc maintenant, Italy. La France et l'Espagne sont en Hello, tête Italy. Avec Are cette voix
de Hello, la Madrid, Madrid, this is Rome calling. Good evening. May I have your votes, please? Yes, you have the results of the Italian jury. Thank you. Monaco, 4 votes. Monaco, 4 votes. Monaco, 4 votes. United Kingdom, 3 votes. United Kingdom, 3 votes. Royaume-Uni, 3 votes. Netherlands, 3 votes. Netherlands, 3 votes. Pays-Bas, 3 votes. And that completes the voting of the Italian jury. Good night. Good night, Italy. And United Kingdom. Hello, United Kingdom. Are you there? Hello, Madrid. Et bien, yes, voici la Grande-Bretagne qui actuellement est en tête avec 9 votes. Ireland, 1 vote. Ireland, 1 vote. Irlande, 1 vote. Belgium, 3 votes. Belgium, 3 votes. La Belgique, 3 votes. Switzerland, 2 votes. Switzerland, 2 votes. La Suisse, 2 votes. France, 4 votes. France, 4 votes. La France, 4 votes. And that completes the voting of the United Kingdom jury. Thank you. Thank you very much, United Kingdom. Good night. Et la France maintenant est en tête devant la Grande-Bretagne. Et l'Espagne est en troisième Allô, position. Bonsoir. Je vous donne les votes du jury hollandais. C'est très bien, merci. Alors, pour commencer, c'est le Luxembourg qui obtient un vote. Luxembourg, un vote. Le Monaco... Excusez-moi, je dois répéter en français. Luxembourg, one vote. Le Monaco, deux votes. Monaco, deux votes. Monaco, two votes. L'Irlande, un vote. L'Irlande, un vote. L'Irlande, c'est un vote ou deux votes, pardon. Un vote, un pardon. Seul, oui. L'Irlande, un vote. Ireland, one vote. Le Royaume-Uni, un vote. Royaume-Uni, un vote. United Kingdom, one vote. La Suède, un vote. La Suède, un vote. La Belgique, un vote. La Belgique, un vote. Belgium, one vote. La France, deux votes. La France, deux votes. France, two votes. Et pour terminer, c'est la Finlande avec un vote. Finlande, un vote. Finland, one vote. Et ainsi se termine notre votation. Merci bien. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. La Suède. Allô? Allô, la Suède? Vous m'écoutez? Allô, Madrid, ici Stockholm. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir votre votation, s'il vous plaît? Oui, voici le résultat du jury suédois. Merci. Monaco, deux votes. Monaco, deux votes. Monaco, two votes. Irlande, un vote. Irlande, un vote. Ireland, one vote. Royaume-Uni, 5 votes. Royaume-Uni, 5 votes. United Kingdom, 5 votes. Norvège, 1 vote. Norvège, 1 vote. Norway, 1 vote. Et la France, 1 vote. France, 1 vote. Oui, France, c'est la one vote. Oui, cela termine. Où en sommes-nous? Grande-Bretagne en tête avec 15 points. France en seconde position avec 14 points. La Belgique. Puis Monaco. Allô, la Belgique. Vous m'écoutez? Bonsoir, Madrid. Bonsoir. Voici les votes du jury belge. Merci. Yougoslavie, un vote. Yougoslavie, un vote. Yougoslavia, one vote. Luxembourg, un vote. Luxembourg, un vote. Luxembourg, one vote. Espagne, 3 votes. Espagne, 3 votes. Spain, 3 votes. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote.
Pays-Bas, un vote. Pays-Bas, un vote. Netherlands, one vote. Suisse, un vote. Suisse, un vote. Switzerland, one vote. Allemagne, un vote. Allemagne, un vote. Germany, one vote. Portugal, un vote. Portugal, un vote. Portugal, one vote. Et ceci termine le vote du jury belge. Bonne nuit, Madrid. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. C'est donc la Grande-Bretagne en tête, la France en seconde position et Monaco en droit devant l'Espagne. Bonsoir. Bonsoir. Voici les résultats du jury suisse. Merci. Irlande, 3 votes. Irlande, 3 votes. Ireland, 3 votes. Pays-Bas, 4 votes. Pays-Bas, 4 votes. Netherlands, 4 votes. Belgique, 2 votes. Belgique, 2 votes. Belgium, 2 votes. France, 1 vote. France, 1 vote. France, 1 vote. Les téléspectateurs voient le tableau très bien, mais je récapitule pour les auditeurs de France Inter. Nous avons actuellement la France et la Grande-Bretagne qui ont chacune 15 voix, suivies par les Pays-Bas et Monaco qui en ont 11, puis en cinquième position l'Espagne avec 10 points. Spain, one vote. L'Espagne, un vote. Netherlands, one vote. Netherlands, one vote. Pays-Bas, un vote. Sweden, 3 votes. Sweden, 3 votes. Belgium, 2 votes. Belgium, 2 votes. La Belgique, 2 votes. Switzerland, one vote. Switzerland, one vote. La Suisse, un vote. Germany, one vote. Germany, one vote. Finland, one vote, excuse me. Finland, one vote. Finland, a vote. And that completes the voting of the Norwegian jury. Good night, Madrid. Good night. Donc, thank you very much. Rien n'est changé pour l'instant. C'est toujours France et Grande-Bretagne en tête. Ex aequo avec 15 points. Germany. Avec derrière les Pays-Bas. 12. Hello Madrid, Frankfurt calling. Here are the results of the German jury. Thank you. Luxembourg, one vote. Luxembourg, one vote. Luxembourg, un vote. Spain, 3 votes. Spain, 3 votes. L'Espagne, 3 votes. Et l'Espagne avec 3 votes, reprend une bonne position. Ireland, one vote. L'Irlande, un vote. United Kingdom, one vote. United Kingdom, one vote. Royaume-Uni, un vote. Switzerland, 2 votes. Switzerland, 2 votes. La Suisse, 2 votes. France, one vote. France, one vote. La France, un vote. Finland, one vote. Finland, one vote. Finland, a vote. And that completes the voting of the German jury. Good night, Madrid. En tête, la France et la Grande-Bretagne, avec chacune 16 points, suivi par l'Espagne, 14, et Monaco et la Suisse, 11. Allô, la France? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Madrid, ici Paris. Bonsoir. Non, j'ai oublié. Est-ce que vous pouvez nous donner votre votation, s'il vous plaît? Oui, voici les résultats du vote du jury français. Merci. L'Espagne, 2 voix. L'Espagne, 2 votes. Spain, 2 votes. Les Pays-Bas, 6 voix. Pays-Bas, 6 votes. Netherlands, 6 points. Allemagne, 1 voix. Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote.
Et Portugal, une voix. Portugal, un vote. Ceci Portugal, one vote. Ceci termine le vote du jury français. Et bonsoir. Voilà les Pays-Bas, avec la chanson du troubadour, passée en tête, 18 points. Portugal. Hello, avec derrière Portugal. Grande-Bretagne et France. Allô. Grande-Bretagne, bonsoir, France bonsoir. Et Espagne, pouvez, 16 voix. Votation, s'il vous plaît. Voici les résultats du vote du jury portugais. Merci. Yougoslavie, 3 votes. Yougoslavie, 3 votes. Yougoslavia, 3 votes. Espagne, 2 votes. Espagne, 2 votes. Spain, 2 votes. Italie, 1 vote. Italie, 1 vote. Italie, one vote. Grande-Bretagne, un vote. Royaume-Uni, one vote. United Kingdom, one vote. Suède, un vote. Suède, one vote. Je vous attends. Pardon? Suède, one vote. France, deux votes. France, deux votes. Pardon, France, deux votes. C'est ça, deux votes. France, deux votes. France, two votes. Eh bien, décidément, il y a un bien beau suspense, car la France, les Pays-Bas et l'Espagne ont 18 points devant la Grande-Bretagne 17, et il n'y a plus qu'un pays qui va départager tout le monde, c'est la Finlande. Je crois qu'on a rarement eu un tel suspense, ce qui prouve que... Il n'y avait pas allô, une chanson allô, qui oui, pouvait oui, prétendre à être allô, nettement Finlande. Supérieure aux autres, mais finalement un ensemble assez équilibré. Here are the results of the Finnish jury. Thank you. Ireland, 3 votes. Ireland, 3 votes. Irlande finira donc avec 10 points. Italy, 1 vote. Italy, one vote. L'Espagne est mal partie. United Kingdom, one vote. United Kingdom, one vote. Royaume-Uni, un vote. Sweden, 3 votes. Sweden, 3 votes. Alors, est-ce que la France va départager tout cela? Nous avons actuellement Espagne, Royaume-Uni, Switzerland, les Pays-Bas, 18 votes. Points chacun. Switzerland, 2 votes. La Suisse, 2 votes. 2 votes. And that completes the voting of the Finnish jury. Eh bien voilà, nous arrivons à cette solution absolument extraordinaire qui valait la peine de rester à regarder la télévision ce soir ou à écouter la radio. Il y a 4 pays qui ont 18 points. La France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Espagne. Depuis 14 ans que dure ce festival de l'Eurovision, jamais ce genre de choses n'est arrivé. Inesperado final en esta canción de Eurovisión 1969. Yo voy a pedir por favor a Mr. Brown que sea él quien me diga exactamente los vencedores de este año. Et il est bien évident. Il y a en effet 4 gagnants cette année. 4 ex-aequo. 4 winners this year. 4 gagnants ex-aequo. 4 ganadores ex-aequo. Eh bien, il y a donc 4 ex-aequo. Et je pense que le jury doit être, le jury doit être très embarrassé, car vous savez, il est de tradition que la chanson gagnante soit rechantée à la fin du festival. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que je fais avec le prix? Je donne. Non, vous devez les lire l'un après l'autre, parce qu'il y a 4 gagnants. Pardon, pardon, répétez. Répétez, s'il vous plaît. Non, il faut simplement donner les 4, parce qu'il y a 4 gagnants, l'un après l'autre. 4 gagnants? Donc, j'appelle les 4 gagnants sur le oui. Scénario. Bon. Merci. Et maintenant, l'UER devra décider aussi où se passera l'an prochain le 15e festival de l'Eurovision de la chanson. Est-ce que nous reviendrons à Madrid? Est-ce qu'on sera à Paris? Est-ce que nous irons à Hilversum ou en Grande-Bretagne? En tout cas, il faut considérer une chose, c'est que les 4 pays gagnants ont déjà gagné. La Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas ou l'Espagne.
Et voici Maciel. Maciel est la jeune chanteuse qui avait remporté le prix de l'Eurovision l'année dernière avec La La La. Je vois derrière elle une jeune fille qui tient un plateau sur lequel il y a trois écrans bleus. Qu'est-ce que contiennent ces écrans? Je pense qu'il... Alors Salomé, la chanteuse espagnole, revient sur la scène, fort applaudie, bien sûr, et Maciel l'embrasse. On sort maintenant la deuxième médaille, car voyez-vous, je pense que l'Union européenne de radiodiffusion avait prévu trois médailles au cas extraordinaire où il y aurait trois ex aequo, mais il y en a quatre. On appelle maintenant Loulou. Loulou, la jeune chanteuse anglaise. Maciel l'embrasse et va lui donner la deuxième médaille. Et voici l'auteur de la chanson. Ou le chef d'orchestre. Il semble bien que c'est le chef d'orchestre qui vient embrasser Loulou aussi sur scène. Non, maintenant c'est les Pays-Bas. Alors on... Et voici Lenny Cour, la jeune chanteuse qui, en s'accompagnant à la guitare, avait chanté elle-même sa chanson, le troubadour. Elle va recevoir la troisième médaille. Mais tout s'arrange dans la coulisse, je peux déjà vous le dire. La jeune fille arrive avec un quatrième écrin qu'on a dû aller chercher dans les réserves en hâte, je pense. Et Frida Bocara va arriver et recevoir, elle aussi, Franck Purcell la suit, elle va recevoir, elle aussi, la quatrième médaille, qui est méritée par Un jour un enfant, la chanson d'Eddie Marnay et des ministères. Nosotros, desde el Teatro Real de Madrid, vamos a decirles adiós, pero antes de finalizar este gran programa, este gran festival, van ustedes a escuchar las cuatro canciones. Eh bien oui, voyez-vous, on va maintenant chanter. Con España. On va chanter les quatre chansons gagnantes. Vivo cantando su intérprete Salomé y sus autores. Puisque le règlement veut qu'on chante la chanson gagnante. Hasta siempre. Callando, cuánto te quise decir, una profunda esperanza y un eco lejano me hablaste de mí. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Que está pasando, que estoy temblando en estar con...
C'est donc pour l'Espagne son deuxième Grand Prix de l'Eurovision de la chanson. Et Loulou revient, elle va chanter Boom Bang Bang, la chanson anglaise. Et c'est aussi le deuxième Grand Prix qu'obtiennent nos amis britanniques, puisqu'ils avaient déjà gagné en 67 à Vienne avec Puppet and a String, que chantait Sandy Shaw. Voilà, boum, bang, bang. Deuxième premier Grand Prix. Deuxième premier Grand Prix de l'Eurovision 69. Et nous allons maintenant entendre la chanson des Pays-Bas. La chanson des Pays-Bas, l'histoire du troubadour que chante Lenny Cour. Il faut noter que pour les Pays-Bas, c'est la troisième fois qu'ils remportent le Grand Prix, puisqu'ils ont déjà eu le Grand Prix en 1957 et en 1959. Le Nicour prend sa guitare et voici le troubadour. Thank you.
j'aimera le troubadour, le troubadour. Ik ben het stil, het lied was uit. Enkel dat modder dat besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek. Voilà le troubadour, troisième premier grand prix de l'Eurovision. Et maintenant, nous allons retrouver Frida Beccara. Frida Beccara qui rapporte à la France sa quatrième médaille. Oui, car la France a déjà remporté le concours Eurovision de la chanson. Avec Dors mon amour que chantait André Claveau en 58. Tom Pilibi que chantait Jacqueline Boyer en 60. Et un premier amour que chantait Isabelle Aubray en 62. C'est ainsi que s'achève ce 14e Grand Prix Eurovision de la chanson sur ce résultat si inattendu, mais qui doit faire tant de plaisir aux auteurs des quatre chansons et aux interprètes, bien sûr. Les problèmes vont commencer ce soir au dîner de clôture. Qui assaira-t-on ? Quelle est la chanteuse que l'on assaira à la droite du président ? Voilà un problème de préséance bien difficile à régler.
Et puis, où aura lieu l'an prochain le 15e Grand Prix? Déjà, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont été pays organisateurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces quatre chansons feront certainement la joie des éditeurs de musique, car quatre chansons, ça fait quatre titres sur un 45 tours. Voilà, au revoir.